Là, toi. Oh, dur, dur la nuit. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas être trop zélé. C'est de ça qu'on a de l'air le matin. Ta mère te reconnaîtrait pas. Regarde, laisse ma mère tranquille, là, surtout au matin. C'est pas le problème, là? Qu'on sait pas tout le temps dans quoi on s'embarque. Tu veux-tu qu'on en parle? Oh, Xavier, c'est la dernière fois que je fais ça. Je te jure, la dernière fois. Et tu fais quoi? On m'a dit que tu passes deux nuits blanches en ligne, mais que là, tu n'as plus toute ta tête. Fait qu'évidemment, tu sais, évidemment. De quoi tu parles, Bridge? Je vois que tu m'aiguilles quand je fais ça. Excuse, mais tu voudrais-tu être juste un tout petit peu moins clair, s'il te plaît? Garde, je veux juste décompresser, OK? Je t'ai pas entendu. J'ai juste... J'avais le goût qu'on déjeune ensemble. J'ai amené des petits pains au chocolat. Oh. Non, mais bouge pas. Je t'apporte tout ici. Ah, un petit déjeuner au lit. Qu'est-ce qui se passe? C'est même pas la fin de semaine. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'es la peau la plus douce du monde? Puis t'es la plus belle petite facette, là. Juste là, là. Pas mal trop magané, toi, pour un gars qui a passé la nuit à travailler. Ouais, j'ai dormi un bout quand même. À l'agence? Ouais. Sur le canapé du salon client. Toi, tu devais pas être trop confortable. Ouais. J'ai envie d'un bon café. Bouge pas d'ici. Je te fais le service du Red 5 étoiles et demie, mon amour. Puis avez-vous fini par le finir, votre envoi? Hein? Ça s'est bien passé avec Brigitte?
Zaka? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parte plus tôt. Mon ordinateur est en panne. J'ai rejoint le réparateur. Oh, je prendrai l'autobus. T'es certaine? Ben ouais. Maman, est-ce que je peux inviter quelqu'un pour l'école? Bien sûr, ma chouette. Tes petites amies sont les bienvenues, tu le sais. Bonne journée. Toi aussi. La plupart des couples heureux que je connais sont composés d'une personne et de son chien. Est-ce que la fidélité vient du chien ou de l'être humain? En tout cas, certaines personnes sont pas mal plus dévouées à leur bête qu'elles ne seront jamais un partenaire amoureux. C'est gentil de vous être déplacé si vite. Ça me fait plaisir de rencontrer la grande patronne. À chaque fois que je viens ici, tout le monde me parle de vous. Là, j'ai rien fait, puis je l'ai... Vous savez ce que c'est? Moi, je comprends rien du tout. On va examiner ça. Ça n'a rien à voir, mais bon, vous connaissez bien notre réseau. Est-ce que vous pensez que tout le monde a accès à tout ici? À tout? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, on a chacun des dossiers qui concernent l'agence, mais on a aussi des documents plus personnels. Est-ce que vous croyez? Non, chaque personne a un code d'accès et un mot de passe. À moins de connaître les deux, c'est bien difficile. Vous inquiétez pas, vos NIP et vos numéros de compte en Suisse sont en sécurité. Je défractionne le disque dur. Ça devrait plus geler. Oui? Oui, j'arrive tout de suite. Elles sont bien utiles, ces petites bêtes-là. Une fois qu'elles entrent dans notre vie, on peut plus s'en passer. J'ai une nouvelle carte. Je vous la laisse. Je suis disponible 24 heures sur 24. Ou presque. Il y a quelque chose qui va pas. Non, je... Corée, c'est votre vrai nom? Oui, pourquoi? Je... Vous vous rappelez la série Les agents très spéciaux? Il y avait un personnage qui s'appelait Koryakin. Quelque chose comme ça, vous vous rappelez pas? Aucune idée. Mon nom à moi, c'est un diminutif de Korinovski. La série dont vous parlez, je n'étais même pas né. Merci beaucoup, M. Coury. Pour la facture, vous faites comme d'habitude. Au revoir. Merci. Tiens, jette un coup d'œil. La Ligue des Amis des Animaux. La LAA. Avec une lettre personnelle, mon cher Fabrice, blablabla. Ils veulent une pub télé. Le président de la campagne est un ami, alors... Tu vis leur budget, c'est ridicule. Ils ont prévu quoi comme budget de production? Ce que tu vois là, c'est le budget global. Conception et production. Mais je pense qu'on peut se le permettre. C'est une belle cause, non? Évidemment, on se demande pourquoi, hein, Goya? Magnifique, t'es d'accord. Puis ça va permettre à nos créatifs de se lâcher un peu lousse. Fabrice, on est déjà loadé, on fournit pas. Qui tu veux mettre là-dessus, engager des pigistes? Tout le monde. On fait un blitz. 2-3 jours, grand max. Hein? Puis on demande un reçu de charité à la Ligue des Amis des Animaux et on est gagnant sur toute la ligne. Mmh. J'imagine que peu importe ce que j'en pense. Pour tout dire... T'as déjà donné notre réponse. Et convoqué une réunion. J'ai gagné! J'ai gagné! Salut, Bridge. Salut. Ah, ça t'apprendra à manger 4 pains au chocolat. Salut. Hey, tu sais qu'il a l'air solide comme ça, mais il pompe pas mal, hein?
Je sais pas si c'est le résultat de ces nuits blanches, mais s'il y a besoin d'une sérieuse mise au point. OK. On va fouiller les ressemblances entre l'homme et l'animal. Ça vous dit quoi? Ben, les dernières, c'était le morphing. Style, on prend le visage anormand, puis on le transforme en cochon. Pourquoi pas? Le cochon, ça me va. Il paraît même que c'est l'animal qui est le plus ressemblant à l'être humain. Même émotivité, même réaction cutanée. Oh. Il y a même des étudiants en médecine qui ont fait une erreur avec des échantillons de sang. Ils pensaient que c'était du sang humain. Non, c'était du sang de cochon. Je te crois pas. C'est pour ça que le cochon est tabou dans certaines religions. Ah, il est tabou, vrai. Oui. Ouais. Il est tabou parce qu'il est près de nous. Ah, 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 les tabous. On a peut-être une piste, là. Le premier tabou de l'animal, ce serait quoi? Ce serait de pas souiller son territoire? Ben, souiller. Souiller, ça veut dire quoi, ça, souiller? C'est relatif, là. Tous les tabous sont faits pour être enfreints. Chez l'être humain, en tout cas, là. Puis c'est même parfois sa raison d'être. C'est toi qui dis ça? OK, ça serait quoi nos tabous ici? À l'agence? Oui. Pas de baise avec les clients. Ni entre les employés. Ah, à part Joseph Normand, bien entendu. Charabia, là, arrivé en ville. Non, mais la réalité, c'est qu'une personne sur trois a déjà flirté au bureau, puis qu'une sur cinq a déjà entretenu une relation amoureuse avec un collègue. Fait que. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose avec ça, ou? Mais non. Non, je vois vraiment pas ce qu'on peut faire avec ça. T'es sur quoi exactement? C'est ça l'effet du chiffre de nuit? Et les nuits blanches comme celle-là, là, amenez-en, j'en prendrai 10 ans. T'as pas passé la nuit à mettre des agendas dans une petite boîte bleue, là, hein? T'es allé où après? Ah, voir ailleurs si j'y étais, ou voir ailleurs si je pouvais y être. Non, non, mais attends, là. Tu veux dire que tu. Que t'as. Mon gars, là, j'ai pas baisé comme ça depuis que j'ai 18 ans. Yes! On fait de ça, mon run, enfin! Un bon normand, il y a de l'espoir! C'est pas trop fort. Quoi? Josée s'est rendu compte de rien. Non. Puis ça m'étonne. Et, moi, je pensais que l'intuition féminine, là, tout ça, là. Mais là, je sais pas trop comment je vais faire pour y en parler. Non, 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 t'es pas bien. T'as pas l'intention de te raconter ça. Ben oui, on s'était promis de tout se dire. C'est des promesses d'ado, ça. Oublie ça, faut pas qu'elle le sache jamais. Mais c'est vrai qu'elle a décidé de plutôt arrêter sa fidélité. Bon. Pour elle, la fidélité. Oh, oh, oh! Vous en étiez où, là? À la fidélité? Je pense que si t'essaies de le convertir, c'est une cause désespérée. Savais-tu, ma belle Josée, que la fidélité n'existe pas chez les animaux? Même chez nos cousins les plus proches, les chimpanzés. Ouais, puis qu'est-ce que tu fais des cygnes, des oies, puis hein, même les loups? Ils vivent en couple monogame, ils remplacent même pas leur partenaire en cas de décès. Ouais. Ça jette sur un. Bûcher funéraire, comme les hindous. Ça, c'est pour vos dossiers. Bonne fin de journée. Comme tu dis, décidez bien d'arrêter. On risque de me répéter, mais si tu tiens à ta peau... OK? Il faut qu'on se parle. Oui, mais pas ici. Non, non, après le travail ou du parc, là, trouve une excuse, ce sera pas long. Blut. Non, il faut absolument que je te parle. Je me sens vraiment pas bien. OK. Merci. Hey, Brigitte! Salut! Hey, t'as pas l'air afflé, toi? C'est quoi? J'ai des capsules de vitamines à la maison, je vais te les apporter demain. Non, non, laisse faire. T'es bien fine, là, mais. Mais regarde, j'ai un rendez-vous chez le docteur en sortant d'ici. Je vais. Il demandait qu'il me prescrive quelque chose. Mais tu fais bien, hein? C'est pas le temps de te taper un burn-out. Hey!
Rentre. As-tu faim? Oui. Tout est dans le frigo. OK. Y a personne? Mon père est en voyage, puis maman n'a jamais rentré avant 7 heures. Voyage où, ton père? Au Mexique en ce moment, mais... Il va ailleurs aussi. Dans plein de pays. Ah, j'ai bien chanceux. Un jour, je vais y aller avec lui. J'ai ça rester avec ma mère. Je comprends rien. Toujours occupée, puis il n'y a jamais de temps pour personne. C'est pas par hasard que mon père est toujours parti. Au moins, il a de la slim. Ouais. Est-ce que t'as déjà embrassé une fille? Ouais. Sur la bouche? Justement, j'ai fait des petites recherches. Savez-vous que l'espérance de vie d'un animal en captivité est 3 fois plus longue? Ah, mais là, ça se comprend, il n'y a pas de risque. C'est ça. J'aime mieux vivre libre 3 fois moins longtemps que de rester pris dans une cage. Évidemment, sinon, on sera obligé de te masturber. Oui, mais il y a des zoos où les animaux peuvent s'accoupler. Oh, oui, une fois par année, par insémination. Oui, mais gars, il y a les martres. Eux autres, ils ont tellement pas de temps à perdre avec l'accouplement, mais qu'ils baissent tout le temps. C'est quoi une martre? Une sorte de vison épais. Déjà fini? Même chose pour tout le monde? Oui. Oui. Non, pas pour moi. J'oublie pas la jambe, c'est faut que j'aille. J'aille avec toi, on pourrait rentrer ensemble après? Non, non, reste. De toute façon, Thierry va encore dire qu'on n'est pas capable de se laisser respirer. Non, pas du tout. Vous êtes deux individus libres, vous avez choisi de vous amener. C'est juste que si tu parles, j'aurais plus personne avec qui m'assister. Oh, mais je vais rester. Je te ramène une sushi. OK. L'amour, le sexe, le couple. Un mystère aussi troublant que celui de la Sainte Trinité. Est-ce qu'on peut concilier les trois? Est-ce que les gens qui restent ensemble le font par manque d'esprit d'aventure ou parce qu'ils en ont vraiment envie? C'est pour toi. Merci. Merci. Voilà. Chin. Chin. Hey, ce qui s'est passé hier soir, là, ça aurait jamais dû arriver. On aurait jamais dû faire l'amour ensemble. Je me le pardonne pas. Quoi? C'était pas agréable? Non, c'est pas du tout la question. Mais là, regarde, inquiète-toi pas, là. On est des adultes, puis on savait ce qu'on faisait. Ben, je suis pas sûre, moi. Avoir réfléchi 2 minutes, là. Puis, Brigitte, on s'est donné de l'amour. On passera pas notre vie à culpabiliser avec ça. Mais c'est pas aussi simple que ça. Moi, je me sens hyper mal à l'aise par rapport à José. J'ai même plus qu'à la regarder dans les yeux. Se doute de rien. C'est pas grave, ça. Moi, là, j'ai honte. Faut quand même pas dramatiser, là. On est des êtres humains, puis on a vécu quelque chose d'intime qui nous a rapprochés. C'est important, ça aussi. Non, c'est de la théorie, ça. Vous êtes le couple le plus stable que je connaisse, puis j'ai réussi à foutre le bordel dans votre relation. Ben, ça change rien, hein, José Cunin. Ils sont pas coupables, toi. Ben, non. J'ai toujours été fidèle. Puis je vais continuer à être fidèle. Et une fois en 5 ans. En tout cas, je veux plus jamais que se passe quelque chose entre nous deux. OK? C'est sûr. Ça a quand même été agréable d'apprendre à se connaître un peu plus. Mais il faut jamais que José le sache. Jamais. OK. Allô? Allô, c'est moi. Hey, José. Je sors de l'agence, là. Je suis dans la rue, puis je m'en vais au magasin. As-tu besoin de quelque chose? Non, j'allais te rejoindre. T'es avec quelqu'un? Je suis seul. Ah oui, t'es sûr? Ben oui, pourquoi? Y a-tu quelque chose qui va pas? Hein? T'as l'air bizarre. Non, moi, j'ai une surprise pour toi. Retourne-toi, regarde juste au coin de la rue. Non, 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 non.
Va-t'en! As-tu baisé avec elle, oui ou non? Il me semble que c'est pas compliqué comme réponse. Josée, décringue-toi, là, j'essaye de t'expliquer. Tu dis pas non? Donc c'est oui. Tu m'as menti en pleine face. Je t'ai pas menti. Non, t'as juste oublié de me le dire. Je voulais te le dire, mais j'attendais le bon moment. Le bon moment? OK, j'aurais dû te le dire. C'est ce qu'on s'est toujours dit qu'on ferait. Mais je voulais pas. J'avais peur de te faire mal, OK? Ça va pas de me faire mal, hein? T'es vraiment trop fin, hein? Josée. Touche-moi pas! C'est un accident. C'est une gaffe. Puis ça arrivera plus jamais. Pis c'est exactement ça que moi pis Brigitte, on est en train de se dire. Pis tu veux que je te croie? Vous étiez collé ton bras autour de son cou! Josée, ça nous enlève rien. S'il y a de quoi, ça m'a rendu encore plus amoureux de toi. Ouais. Encore un peu, pis tu vas vouloir que je remercie Brigitte? Oublie Brigitte un peu. On se voit tous les jours, normal! Pis avec sa grande âme, tout le bureau de l'échelle est au courant de quoi j'ai l'air, moi! Elle a rien dit à personne. Ben oui, check bien ça demain matin. Elle sent tellement mal. Hey! Tu t'entends pas, hein? T'as défait! Maudit hypocrite! Visage à deux faces, tu m'écœures! Osaka? Osaka! Je suis dans ma chambre. Je sais que je rentre tard. As-tu soupé? On fait nos devoirs. Dérange-nous pas, OK? Ah, oh, c'est vrai, t'es avec une amie. Je la connais? C'est Majorique. Est-ce que je peux l'inviter à coucher? Ça m'arrive, si tu veux. On n'est pas la fin de semaine, à ce que je sache. C'est débile comme règle, maman. Bonjour, Madame le Duc. C'est toi, Majorique? Tu m'avais pas dit que c'était un garçon. Ça change quoi? Ça change tout. Majorique, ça me fait plaisir de te rencontrer puis de t'inviter à souper. J'irai te conduire chez toi après. On a déjà soupé. Puis t'es vraiment plate. Bien, on va finir nos devoirs. Oh, ah! Hey. Allez, allez, ouvre la porte. Wow! Ta-dam! C'est du neuf? Mon cher, ça, c'est du 100% artificiel. Impressionnant. Savais-tu que c'est fait à l'eau de mer? Ah ouais. T'as-tu déjà touché à ça? Non. Ça te tente-tu? Mm-hmm. Tente-tu? Tu peux entendre le bruit des vagues? L'entends-tu? Heureusement que ça sent pas les algues, tu sais. Wow. Hein, ça cogne ici. Hey. Ah, clique-toi pas, j'attends personne. Hein, t'as deux portes d'entrée, c'est quoi cette affaire-là? Oh non, hey, wow. Non, écoute, c'est peut-être grave à cette heure-ci, va répondre. Ouais, je vais. Bougez les bois. T'es niaiseux. Je peux-tu cracher chez vous, ça? Pourquoi? Mais là, faut que je te fasse un dessin, là, Josée, mes maps. Hein? Ouais. Tu as dit? C'était vite, man, tu peux pas savoir, là. Sarah, Norman, mon meilleur chum. Salut. Regarde, c'est correct. Je vais aller ailleurs. Ah non. Hey, non, écoute, c'est moi qui suis trop. Non, non. Tu restes, OK? Norman, prends le sofa. On s'en parle demain matin. T'aurais pas des bouchons, Stella et Mathieu, on est présentement en train de jouer à cachette. Donc, comptez jusqu'à trois puis laissez-nous un message. Oui, allô, Stella, c'est moi.
Ben, j'aurais vraiment aimé ça te parler. J'ai fait quelque chose de pas correct. Ben, c'est ça, je remets ça de parler, fait que tu me rappelles, OK? Bye. Si vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur le 1. Pour effacer, appuyez sur le 2. Message effacé. Au revoir. Viens pour tes vêtements, je te les envoie par la fenêtre. Ils vont être déchirés, par exemple. Josée, ouvre, c'est moi! Faut que je te parle! Je vais t'expliquer, c'est complètement de ma faute. Ça m'intéresse pas de t'entendre. Il faut quand même qu'on se parle avant d'aller à l'agence. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention d'y aller à l'agence aujourd'hui. Ni demain, en fait. Je vais travailler sur ma lettre de démission. Non, fais pas ça, Josée. Si quelqu'un qui doit partir, c'est moi. C'est pas pour payer pour une connerie que j'ai faite. Une connerie? C'est facile à dire maintenant. T'aurais pas pu y penser avant? Mais t'as raison, hein? J'ai rien fait de mal. J'ai pas de raison de me cacher, moi. Je vais y aller à l'agence. Travailler de bonne heure. Passez une belle nuit. Oui. Ouais, j'ai tendu. Pourquoi tu t'es pas fermé à gueule avec Josée, hein? Hey, je me suis pas amené de linge, là. Tu me passerais-tu quelque chose? Pas de problème. Ça me fait plaisir de te supporter dans ton évolution sentimentale. Hein? Ah ouais, raconte, là. Comment qu'elle l'a su? On s'est fait surprendre au parc. Ben, moi, j'avais dit à Josée que je m'en allais à l'agence, okay. Puis Brigitte, elle y avait dit qu'elle s'en allait chez le médecin. Brigitte? La fille avec qui tu as baisé? C'est Brigitte, oui. Je sais que c'est pas brillant de coucher avec une fille de l'agence, mais bon. Brigitte, de coucher avec Brigitte? Pourquoi? Hey, je le sais que c'est pas cool, là. OK, puis José puis Brigitte travaillent ensemble, puis c'est des bonnes amies, mais je le savais-tu, moi, que j'allais coucher avec elle? À quoi que t'as pensé? C'est un paquet de problèmes, cette fille-là. Elle est vulnérable, elle est sensible. Arrête pas de tomber sur le mauvais gars. Ben oui, c'est ça, rajoute-en donc. Non, puis en plus, ça fait des années qu'elle cherche un chum. Check bien ça, man, elle va te coller comme une sangsue. Tu me déçois, Norm. Là, Brigitte puis moi, on s'est parlé. Tout est correct. Ouais, ben. Mais là, vas-tu me passer un T-shirt? Je pense que j'ai pas grand-chose à prêter. Toi, toi. Faudrait que je parle à Normand et tu arrives avec lui. Allô, Josée, Guy, est-ce que vous êtes au sushi?
Voyons, qu'est-ce que t'as à me regarder de même, toi? Ouais. J'ai juste l'impression de le voir pour la première fois. J'ai passé la nuit chez Thierry. Mais t'as pas tellement de leçons à me donner, hein, Thierry? Qu'est-ce qui se passe avec José? Jamais vu de même, moi. Entre ça, ta coloc. Je suis même étonné qu'elle s'est pas encore vantée de son nouvel exploit. Brigitte? Brigitte n'a rien à dire, OK? Puis je regarde personne ici, là, c'est personnel. Salut tout le monde! Ça va? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y avait de la vache enragée dans vos céréales ce matin? Hey, tout le monde pourrait tout se mêler de ses affaires? Regarde, là, il n'y a pas de regard. Tout est fun qu'on soit ici pour travailler. Non, mais ce serait le fun, tu sais. J'espère que vous êtes d'attaque. J'ai trouvé un angle intéressant. La tolérance. La tolérance. Oui, la tolérance des animaux envers les excès, les incartades, les erreurs des humains. Laissée à elle-même, la nature se détraque et retourne au chaos. Cher Fabrice, il a l'air d'un Tarzan qui vient mettre de l'ordre dans la jungle. Je te dérange? Madame le Duc, je vous ai pas entendu arriver, je vérifiais le courrier électronique. Sur un site de chat? Ça m'arrive, hein? Pas souvent. Des fois, le matin, de bonne heure avant que le rush commence. Mais j'ai fini. Je suis sortie, là. Je te rappelle plus tard. J'ai surpris Tania en train de chatter sur les heures de travail. Je crois pas que ça soit acceptable. Ah, ça mérite sûrement un avertissement, mais... Je pense que... Je la soupçonne d'avoir fouillé pour avoir accès à des informations personnelles. Personnelles par rapport à la compagnie? Non. Par rapport à moi. J'ai l'impression qu'elle aurait pu se servir de mon code, de mon mot de passe pour avoir accès à des documents privés. Pourrais-tu être plus précise? Est-ce que je suis obligée d'entrer dans les détails? Oui. Si tu veux qu'on la mette à la porte. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Qu'est-ce que tu fous de ma gueule sous une fausse identité? Que je me sens humiliée, ridiculisée? Tu parles par parabole, Dorothée. Je te suis pas. Je chatte. Tu chattes, toi? Oui, je chatte. Au début, j'explorais. Mon premier chat, c'était un forum sur la pub. Après, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. J'ai trouvé des bonnes adresses, drôles, c'était distrayant. Puis j'ai rencontré Kouriakin. Je me suis fait prendre au jeu. C'est avec lui que ça s'est vraiment corsé. Tu m'étonneras toujours. J'ai jamais su qui c'était. Et si Kouriakin, c'est Tania, je... En tout cas, avec ce que t'as reçu, maintenant, c'est sûr qu'il connaît ton identité. Pas de doute possible. À mon avis, Tania n'est pas assez futée ni assez audacieuse pour que ce soit elle. Après ce que tu me décris, ton correspondant est rempli d'imagination, puis il y a un solide sens de l'humour. Hein. Tu veux dire... que ça pourrait être quelqu'un comme toi, par exemple? Tiens donc. J'osais pas le dire. Fabrice, si c'est toi, niaise-moi pas. C'est pas moi. Et c'est quelqu'un qui te connaît bien. Aussi bien que moi.
Tu veux dire... Sylvain? Pourquoi pas? Il voyage toujours avec son ordinateur. Il est très amoureux de toi. Ce serait sa façon de rester en contact. Sylvain? Il aime sa petite chatte. Le pire, c'est que je l'ai pas senti. Tu comprends? Normalement, j'aurais dû me douter de quelque chose. Pas forcément, j'en dis. Ah oui. C'est là, quand tu vis avec quelqu'un, t'as un sixième sens. Je pensais qu'on était heureux, Normand puis moi. On avait commencé à se permettre des petites fantaisies. Il y avait quelque chose de neuf entre nous deux. Mais pourquoi il a fait ça? Il devait bien avoir une raison. Il s'est étouffé, il s'ennuie avec moi. Non, c'est pas toi qui es en cause, Josée. Non, c'est pas vrai, ça. Je suis lucide, tu sais. Dans une histoire comme celle-là, il n'y a pas juste un responsable. Sauf que je l'ai eu à mort de m'avoir menti. J'oublie jamais le voir. Tout doux, Josée. Je me sens tellement poche pis laide comparé à Brigitte. C'est pas vrai, ça. Tu vas voir, tout va s'arranger. C'est quoi mon problème, ça? On dirait toujours que je vais avoir le bonbon des autres. Parce que les bonbons, c'est tellement bon. On niaise, mon pauvre. Non, c'est vrai, même quand j'étais petite, là, j'aurais donné tous les costumes de bain neufs que ma mère m'achetait juste pour avoir le maillot de ma cousine. T'sais? Claire est toujours plus belle, l'autre bord de la clôture. Ben, c'est pas drôle, là. Non, mais c'est vrai, j'ai réussi à bousiller la vie de deux personnes que j'aime d'une shot. Qu'est-ce qui te dit qu'il était pas dû pour une crise, Normand puis José? T'as été un déclencheur, OK, mais c'est pas toi le nœud du problème. Tu penses? Au risque de te déplaire, t'as été un catalyseur, rien de plus. Hey, il paraît que j'ai manqué quelque chose pendant mon voyage. Un petit ami? Je sais pas qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman, mais c'est pas mon petit ami. Voyons, ma chouette, j'ai seulement dit que tu... Pourquoi vous avez besoin de parler de ma vie? Parlez donc de la vôtre pour faire changement. Excusez, mais j'ai des devoirs. C'est nouveau pour toi, mais c'est son ton habituel avec moi, un plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à devenir zen avec ta fille. C'est mieux pour ma santé mentale. Puis j'ai assez de chats à fouetter avec l'agence. Justement, mon équipe m'a proposé un concept. J'aimerais savoir ton avis. C'est sur le modèle des vieilles séries, genre les prisonniers, les agents très spéciaux, tu te souviens? Mais pas vraiment, non? Mais oui, il y avait Napoléon Solo, Ilya Kuryakin. M'en souviens pas. Vraiment. L'idée, c'est de transposer les personnages dans une situation moderne. Par exemple, on pourrait les faire chatter. Ah ben pourquoi pas, c'est la mode, hein? Tout le monde s'ennuie, tout le monde chatte, hein? Y a rien là. Ça t'est déjà arrivé d'aller sur une ligne de chat? Sais-tu comment ça fonctionne? Aucune idée. Pourquoi tu me poses tant de questions là-dessus, là? Qu'est-ce que tu veux savoir, au juste? T'as raison, Osaka est sûrement mieux placé que toi pour me répondre. C'est sa génération. L'idée, c'est qu'il se métamorphose, il se transforme, je sais pas moi, en vampire, tueur en série ou en politicien. Tous ses amis capotent, mais pas son chien ni son chat, qu'il accepte comme il est. Le slogan? Les vrais amis sont rares. C'est vrai que la métamorphose d'un chum, c'est pas évident, mais... vampire, tueur en série, politicien, OK. Pourquoi ça pourrait pas être une femme ordinaire qui revient du travail puis qui se transforme en... Je sais pas, moi, on pourrait trouver quelque chose de vraiment à la limite. J'approuve ça, moi. Prostituée pour aller faire le trottoir? Thierry, le cliché. D'accord. Excusez-moi. J'ai l'urgence. Je suis désolé. Bon. Continue. José. Hey, ça pue de bon sens, là. On peut pas continuer comme ça. Je m'ennuie de toi.
T'es tannée de dormir sur le divan de Thierry? Je m'ennuie de nous deux. Arrête, Normand, franchement, tu fais dur. Tu vas-tu te fâcher comme ça longtemps? Je suis triste. Je suis en deuil. De quelque chose de mort. J'aimerais ça qu'il reste une petite place pour moi avec toi. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ce sera plus jamais comme avant. T'as envie d'essayer? Quoi? Ben, t'aimes m'embrasser? Ouais, pourquoi pas? Pis? Pouf. Attends. Pis, comment c'était? Ordinaire. C'était comme du gel ou mou. À 22h30, au Grand Blond avec un show sournois, Marc Labrèche reçoit Dorothée Berryman et Pierre Légaré. Mais pour l'instant, soyez bien informés en regardant le TVA Réseau.